Ce soir, face au club allemand, qui a perdu son dernier match contre le Sporting 3-0 à domicile la semaine dernière, mais sans Chancel Mbemba, suspendu après le carton rouge contre Tottenham, ni Samuel Gigot, incertain après une blessure musculaire ce samedi face à Lille, Igor Tudor avait misé sur Leonardo Balerdi face à l'équipe allemande. Déjà abonné au MFan ? Abonnez-vous et laissez votre like et recevez des nouvelles tous les jours. Balerdi, sorti à la 29e minute du match face à Lille samedi, ne s'en sort pas si bien, mais le Croate a soutenu son joueur devant la presse hier. Tudor a déclaré lors d'une conférence de presse. Je n'ai pas retiré Leonardo Balerdi parce qu'il jouait mal, mais parce qu'il avait déjà un carton et que l'arbitre a donné un carton facilement. Mardi, ça va commencer. Je m'attends à un accueil positif du public, ce qui montre qu'il est aussi un peu différent des autres publics. C'est un garçon courageux et sensible. C'est un grand défenseur. Le défenseur de 23 ans a été hué par le public marseillais lors de son remplacement contre Lille samedi, ce que Igor Tudor a regretté. Mais en l'absence de deux titulaires, Leonardo Balerdi reparaîtra sur le terrain face à Francfort, dans une défense à 3, avec à ses côtés les expérimentés Eric Bailly et Sid Kolasinac. Après tout, Isaac Touré, 19 ans, n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions et qu'aucun autre défenseur central n'est disponible. Et tant attendu par nous les fans de l'OM, Tudor a mis en lumière l'entrée de Dimitri Payet ce mardi. Nous aurons sans aucun doute un grand match, après tout, les deux équipes essaient de s'imposer parmi les champions.